Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue à ICC. Bienvenue dans cette demeure où Dieu a sa main et où le Saint-Esprit opère des signes, des miracles et des prodiges. Est-ce que tu peux te tourner vers la personne à côté de toi et dis-lui, nous avons survécu à 2015. Ça y est, nous y sommes. Dis-lui, ça y est, nous y sommes. Nous sommes en 2016. Aidez-moi également à saluer notre famille Interdoc. Nous communions ensemble pour célébrer notre Dieu et lui rendre un culte que nous croyons lui sera agréable. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer la présence, la magnifique présence du Saint-Esprit qui nous a précédés en ce lieu. Il nous a précédés. Et le passage d'une année à une autre est une véritable victoire. C'est une victoire sur celui qui vient pour égorger. C'est une victoire sur celui qui vient pour détruire. C'est une victoire sur celui qui vient tuer. Le Seigneur notre Dieu, par sa fidélité, il nous a accordé de franchir une nouvelle année. Et nous voulons l'acclamer et le célébrer ce matin. Quelqu'un m'aide à célébrer notre Dieu pour sa bonté, pour son amour, pour sa fidélité. Il est demeuré fidèle tout au long de l'année dernière et nous croyons qu'en cette année, il sera encore plus que fidèle. Et nous voulons bâtir en ce lieu, tout comme Samuel, lorsque par la main de l'Éternel a remporté la victoire sur les Philistins, il a dressé un autel et il a dit « Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, Dieu nous a secourus, jusqu'ici, Dieu nous a préservés, jusqu'ici, Dieu a étendu sa main sur nos vies et il a brisé la main du méchant sur nos vies. Et nous voulons célébrer ce Dieu pour sa fidélité, pour ses compassions qui sont renouvelées chaque matin dans nos vies. Il est le rocher de notre secours, Ebenezer, Ebenezer, chantons Ebenezer, Ebenezer. Oh, Ebenezer, nous disons Ebenezer. Il est le rocher de notre salut, il est la pierre de notre secours. Nous pouvons nous tenir sur lui en toute sécurité, en toute assurance. Ebenezer, 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 chantons Ebenezer, que nos voix retentissent en ce lieu et qu'un temple de louange soit bâti en l'honneur de sa majesté, le roi de gloire, le Dieu tout-puissant. Ebenezer, disons Ebenezer, c'est toi notre secours. C'est toi notre force, c'est toi la puissance qui nous précède et qui nous entoure. Ta faveur nous précède en toutes choses et ta grâce nous environne comme un bouclier. Ta fidélité a parlé sur nos vies et ceux qui ont émis des décrets sur nos vies, ils sont dans la confusion parce que tu es notre secours. Tu es mon secours, en toi sont mes sources, Seigneur. En toi sont nos sources, Ebenezer. Ebenezer, disons Ebenezer. Oh, Ebenezer, disons Ebenezer. Dieu nous a secourus, Dieu nous a protégés. Notre Dieu nous a épargné les calamités, il nous a épargné la mort. C'est pour ça que nous voulons le célébrer, l'adorer, l'honorer, le glorifier. Ebenezer, jusqu'ici Dieu nous a secourus, il nous a secourus, sa main puissante nous a secourus. Jusqu'ici Dieu nous a secourus, il nous a secourus, Ebenezer. Jusqu'ici Dieu nous a secourus, sa main puissante nous a secourus. Jusqu'ici Dieu nous a secourus, Ebenezer.
chantons. Ebenezer. Seigneur, nous voulons te témoigner notre reconnaissance ce matin. Nous voulons faire monter avec toi nos actions de grâce ce matin. Nos cœurs remplis de gratitude veulent exprimer notre reconnaissance. Seigneur, nous croyons que c'est ta fidélité qui nous a conduits jusqu'à la nouvelle année. C'est ta fidélité qui nous a gardés tout au long de l'année passée. C'est ta fidélité qui nous a préservés, Seigneur. Et nous voulons t'être reconnaissants jusqu'ici, jusqu'ici. Dieu nous a préservés, il a préservé. Il nous a préservés. Par sa main puissante, il nous a préservés. Sa main reste étendue sur nos vies. Il nous a protégés. Il nous a sécurisés. En Christ, nous avons été en sécurité. Jusqu'ici, il nous a préservés. Préservés. Il nous a préservés de tout danger jusqu'ici. Il nous a préservés des calamités de la vie. Il nous a préservés des attaques et des foudres démoniaques jusqu'ici. Il nous a gardés dans le creux de sa main. Il dit, ceux qui sont dans sa main, rien ne peut les ravir de sa main. Nous avons été dans la main du Tout-Puissant. Il nous a préservés jusqu'ici, jusqu'ici. Dieu nous a préservés. Nous cela nous voulons chanter Ebenezer, chanter Ebenezer, Ebenezer. Est-ce qu'un peuple reconnaissant peut lever la voix ce matin? Est-ce qu'un cœur rempli de gratitude peut élever la voix ce matin pour célébrer le rocher de notre salut, la pierre de notre secours? Ebenezer, c'est le rocher qui nous met en sécurité. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre angulaire. Et Christ est cette pierre sur laquelle nous pouvons nous tenir ferme, plein d'assurance et en sécurité. Disons Ebenezer, Ebenezer. Nous venons à toi ce matin, le cœur rempli de gratitude. Nous venons à toi ce matin, le cœur rempli de reconnaissance. Nous venons à toi, Seigneur, toi qui nous as gardés, toi qui nous as préservés, toi qui nous as protégés, toi qui t'es souvenu de nous dans ta fidélité. Et tu as manifesté tes compassions, tu les as renouvelées chaque matin dans nos vies. Tu as manifesté tes grâces et tes bontés. Tu les as renouvelés chaque matin dans nos vies. Et nous voulons être reconnaissants. Ebenezer, Ebenezer, oh, oh. Ebenezer. Tu es notre salut. Tu es le rocher de notre salut. Ebenezer. Nous te sommes si reconnaissants. L'enfer n'a pas eu raison de nous. Les foudres sataniques et démoniaques n'ont pas eu raison de nous. Les incantations et les décrets sataniques n'ont pas eu raison de nous. Mais ta parole, Seigneur, a eu raison. Ta parole proclamée sur nos vies nous a gardés. Ta parole proclamée sur nos vies nous a gardés. Et rien, rien, rien ne peut s'opposer à ta parole. Car tu es le Dieu Tout-Puissant. Et en ta parole se trouve toute ta fidélité. Oh, qu'il est bon, notre Dieu. Oh, qu'il est bon, notre Dieu. Je bénirai ton nom, Seigneur. Oh Dieu, tes grâces et tes bontés dira toujours. Je lève les mains, mon âme est guérie. En ta présence, Seigneur, tu restaures mon âme. Et tu me conduis dans les sentiers de justice. Et tu m'établis à l'ombre de ta main. Je suis en paix.
je suis son enfant. Pour l'éternité, oh, il entend mes pleurs, brise les chaînes qui me tiennent captif. Lui seul peut me délivrer, lui seul peut me secourir. Oh, oh mon prince de paix, tu m'établis là où toutes choses et tout pouvoir te sont soumis. Que mes chants soient tels un encens de votre odeur, et que mon adoration, qu'elle te soit agréable. Mon Dieu, mon roi, il prend soin de ceux qui lui appartiennent, comme une mère poule protège ses poussins. Il prend soin de nous au quotidien, il brise les chaînes. Lui seul peut me délivrer, le Fils de Dieu. Il règne sur le trône, que les nations louent, et l'assemblée des fidèles en ce lieu veut. L'assemblée des fidèles en ce lieu veut te célébrer, car tu es si bon et ta miséricorde dura jamais. Oh, ta miséricorde, sa fidélité. Chante-le, c'est un chant de reconnaissance. Nous voulons bâtir en ce lieu un temple de louange, un hôtel de louange, en l'honneur de sa majesté, le roi de gloire. Dieu est si bon, sa miséricorde durera jamais, à jamais. Car Dieu est si bon. Et sa miséricorde durera à jamais, à jamais. Le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, il règne sur le trône que les nations louent. Le roi est roi. Que l'assemblée des saints en ce lieu loue le roi des rois. Que l'assemblée des fidèles en ce lieu célèbre le roi de gloire pour sa bonté, pour sa fidélité, pour sa bienveillance, pour son secours, pour son assistance, pour son pardon. Oui, tu es si bon, Seigneur. Tu es si bon et ton amour durera jamais. Rien ne nous séparera de ton amour, oh Dieu. Est-ce les calamités? Est-ce les persécutions? Est-ce les hauteurs? Est-ce les profondeurs? Non, rien. Rien ne nous séparera de ton amour.
de ta bonté. Allez, allez, allez. Qu'un cœur rempli de gratitude commence à bénir le nom du Seigneur. Qu'un cœur rempli de gratitude commence à bénir le nom de Jésus. C'est par lui que nous avons la vie, la paix, la joie, la justice, la vie divine coule en nous. C'est par Jésus, c'est par Jésus. Élève la voix et bénis le nom de Jésus. Il est digne d'être célébré en ce lieu. Précieux nom du Sauveur, le Rédempteur est digne d'être levé en ce lieu. À jamais, non, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Tu es bon, et ton amour et ta fidélité dira jamais, à jamais. Tu es bon, oui, tu es bon. Ton amour ne dira jamais, alléluia. Tu es bon Seigneur notre Dieu. Nous pouvons nous appuyer sur ta bonté. Nous pouvons espérer en ta fidélité. Oui tu es bon, oui tu es bon, oui tu es bon, oui tu es bon. Jamais, tu es bon. Laisse-moi célébrer ta bonté, Seigneur. Laisse-moi proclamer ta bonté ce matin. Je veux me souvenir que l'enfer n'a pas eu raison de moi tout au long de l'année dernière. Ils ont frappé, ils ont cru que j'étais mort, ils ont cru que j'étais enterré. Mais toi, tu m'avais aimé. Tu m'avais aimé pour faire sortir de moi le meilleur de moi. Je te suis reconnaissant pour ma vie, pour ma vie, pour ma vie, pour ta bonté dans ma vie. Oh, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Nous voulons célébrer ta bonté, Seigneur. Alléluia. Tu es bon. Oh mon âme, bénis le Seigneur. 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 Oh mon âme, bénis, bénis, bénis. Tu es bon. Nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons te témoigner notre reconnaissance ce matin. Nous voulons te témoigner notre gratitude ce matin. Toi qui agis en nous, Seigneur, infiniment. Oh Seigneur, reçois notre louange ce matin. Reçois ce sacrifice d'action de grâce. Reçois notre adoration. Oui, tu es bon et ton amour durera jamais. Oui, tu es bon et tes bontés ne sont pas épuisées. Elles se sont renouvelées envers nous chaque jour de cette année 2015. Et nous croyons qu'en cette nouvelle année, tes bontés ne sont toujours pas épuisées et que nous verrons ta grâce. Nous verrons ta main, nous verrons tes faveurs, nous verrons tes bontés, nous verrons tes compassions, nous verrons ta fidélité, nous verrons tes bontés envers nous. Oh Seigneur, reçois, reçois, reçois notre gratitude ce matin. Oh, nous sommes là, Seigneur, pour te célébrer. Nous sommes là en ce jour parce que nous voulons te dire combien nous te sommes reconnaissants. Combien nous te sommes reconnaissants pour ta grandeur, pour tes bontés, pour ta puissance, pour toutes ces choses que tu fais dans nos vies, pour toutes ces merveilleuses
les œuvres que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies, pour les choses que nos yeux ont vues, pour celles que nos yeux n'ont pas vues, car ta parole déclare que tu ne sommeilles ni ne dors, que tu es sur ton trône, que tu es élevé, élevé en majesté, élevé en royauté, élevé au-dessus de tout autre nom, Seigneur. Oh, voilà pourquoi ton peuple te loue, t'adore, te célèbre par des louanges, par des acclamations, par des chants de gratitude, par des cris de joie dans la grande assemblée. Oh, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous célébrons ton nom, roi de gloire. Reçois ce matin le grand d'un peuple qui t'est reconnaissant. Reçois ce matin le grand d'un peuple qui sait que c'est toi qui écris l'histoire de nos vies. Et tant que tu n'as pas sifflé la fin, ce n'est pas terminé. Ça ne fait que commencer. Oh, nous te sommes infiniment reconnaissants. Et nous bénissons le nom du Seigneur. Nous bénissons le nom du roi de gloire en ce jour. Alléluia. Reçois notre célébration. Reçois notre célébration. Reçois notre célébration, Seigneur. Reçois, 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 reçois. Lorsque les mots sont trop faibles, nous t'acclamons. Lorsque les mots ne peuvent pas t'écrire, notre gratitude, nous t'acclamons. Lorsque les mots ne peuvent pas représenter combien nous t'aimons, combien nous sommes passionnés de toi, alors nous, ton peuple, t'acclame, Seigneur. Ton peuple t'acclame ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est bon d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Alléluia. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus à Impact Centre Chrétien. Soyez les bienvenus dans ce lieu où celui qui conduit, dirige, inspire, influence, élève, glorifie le nom de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et il est là, présent au milieu de nous. Et en cette occasion, ce premier dimanche de l'année, nous voulons vraiment souhaiter à chacun de nous une excellente année d'expansion par le Saint-Esprit. Amen. Car c'est lui le bâtisseur de nos vies, c'est lui l'architecte parfait. Et nous voulons lui laisser toute la place dans nos vies, dans cette église et sur toute la surface de la terre. Nous proclamons que le Saint-Esprit règne dans le nom de Jésus. Nous voulons prendre le temps de saluer notre famille internaute. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Nous sommes ensemble ce matin. Et avant de prendre place, prenez le temps de saluer la personne de valeur, la personne en qui le Saint-Esprit a décidé d'habiter et de déclarer une parole de bénédiction, déclarer une parole de grâce, une parole de bonté en cette saison sur sa vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous pouvons prendre place dans sa présence. À présent, nous allons suivre ensemble une vidéo pour nous tenir tous ensemble informés des actualités, des événements importants à Impact Centre Chrétien. Bonjour et bienvenue pour les annonces de la semaine à Impact Centre Chrétien, campus de Paris. Nous avons le plaisir de vous informer que les clés USB contenant tous les enseignements diffusés tout au long de l'année 2015, soit 52 messages au total, sont disponibles à la librairie. À partir de ce mois, tous les enseignements seront disponibles sur clés USB à des prix imbattables. Nous sommes donc tous conviés à prendre dès ce dimanche nos abonnements à la librairie afin de ne pas manquer cette opportunité de faire le plein de la parole tout au long de cette année. Pour plus d'informations, nous vous invitons à vous rapprocher directement de la librairie à la fin de chaque culte. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse email suivante, metanoiavie@yahoo.fr. Suite à la dernière session de formation sur les fondements du royaume, un grand nombre de nos frères et sœurs ont fait le choix de démontrer leur engagement en Christ en choisissant de passer par les eaux du baptême. Aussi, nous avons l'immense plaisir de vous convier le samedi 16 janvier, non pas à une, mais à deux cérémonies de baptême à l'auditorium du campus ICC de Paris à Boissy-Saint-Léger. La première cérémonie se déroulera de 10h à 13h. La seconde cérémonie aura lieu de 14h30 à 17h30. Venons donc nombreux soutenir et encourager nos frères et sœurs lors de ce temps fort dans leur marche avec Christ notre Seigneur. Pour plus d'informations, vous pouvez écrire à l'adresse email suivante, formation@impactcentrechretien.com. Le ministère des Jeunes d'Impact a le plaisir de convier tous les jeunes au culte d'Action de Grâce qu'il organise le samedi 9 janvier 2016 de 18h à 20h à Impact Centre Chrétien, campus de Paris, à Boissy-Saint-Léger. Au programme, temps de célébration, partage autour de la parole, témoignage et communion fraternelle.
Nous vous invitons à convier vos amis et vos familles à venir rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait en 2015. C'est aussi une occasion de démarrer cette nouvelle année avec Dieu. Pour plus d'informations, vous pouvez écrire à l'adresse email suivante jeunes@impactcentrechretien.com. Le ministère des Femmes d'Impact organise un dîner gala à l'occasion de la Journée de la Femme. L'événement aura lieu le vendredi 11 mars prochain de 18h30 à 3h au chalet de la Porte Jaune, avenue de Nogent, 75012 Paris. Au programme, en plus du dîner, il y aura des animations spéciales ainsi que de nombreuses autres surprises. Si vous souhaitez participer à cet événement conçu spécialement pour vous, rendez-vous au stand mis à votre disposition dans la salle annexe. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse email suivante femmes@impactcentrechretien.com. Le ministère de la Formation a le plaisir de vous annoncer la rentrée des cours 101, 201 et 301 dès ce lundi 4 janvier 2016. La formation 101 s'adresse à tous ceux qui n'ont jamais fait la formation 101, tout simplement. En effet, tout croyant devrait commencer ou recommencer sa marche avec Christ avec ce cours afin d'acquérir les bons fondements de notre identité en Christ. Cette formation est également un prérequis indispensable pour tous ceux qui désirent passer par les eaux du baptême et ceux qui veulent servir à ICC. Et si vous aspirez à revitaliser votre vie de prière de sorte à obtenir des résultats concrets, apprendre à méditer efficacement la parole et à crucifier la chair, alors la formation 201 est faite pour vous. Nous avons également le plaisir de vous convier à la nouvelle version de la formation 301, devenez un leader serviteur selon le cœur de Dieu. Cette formation est ouverte à toutes les personnes servant à ICC et ayant validé les cours 201. La formation 301 a lieu le lundi de 19h15 à 21h45. Pour les formations 101 et 201, vous avez trois possibilités. Le mardi, de 19h15 à 21h45, le samedi, de 9h à 11h30 ou de 12h à 14h30. Nous vous donnons rendez-vous au stand formation situé dans la salle annexe pour vous inscrire et pour toute information complémentaire. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse email suivante formation@impactcentrechretien.com. Nous vous remercions d'avoir été attentifs à nos annonces et vous souhaitons un excellent culte dans sa grâce. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur pour ces excellentes nouvelles dans la maison du Seigneur? À présent, je vais demander à toutes les personnes qui sont baptisées par immersion de bien vouloir se tenir debout dans la présence de Dieu. Nous allons passer à la table du Seigneur et nous convions également notre famille internaute qui s'est préparée à le faire de bien vouloir se joindre à nous pour ce moment important. Alléluia. Seigneur, nous voulons nous disposer ce matin. Nous voulons réaliser la puissance de ton sang et la puissance de ton corps. Ta parole déclare que ton sang est réellement un breuvage et que ton corps est réellement une nourriture. Ta parole nous enseigne, ô Dieu de gloire, à ne pas mépriser la table du Seigneur, mais à considérer le mystère qui se cache derrière le sang et le corps de Christ. Seigneur, nous voulons rentrer à l'intérieur de nous-mêmes, dépouiller nos cœurs devant toi, afin d'accueillir en nous la vie divine qui est attachée à ce repas. Nous voulons accueillir à l'intérieur de nos cœurs et de nos corps les bénéfices attachés à la Sainte Cène. Nous croyons en la puissance de ton sang. Nous croyons, Seigneur, que lorsque nous prenons ton sang et que nous mangeons ton corps, une puissance se répand à l'intérieur de nous. Et nous voulons la recevoir par la foi dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, laisse-nous ce matin être conscients de la grâce que tu nous accordes alors que tu as été à la croix, alors que tu t'es livré pour nous, Seigneur. C'était un acte de délivrance, un acte de libération pour chacune de nos vies. Non seulement pour notre esprit, mais également pour nos corps. Oh, il y a puissance dans le sang de Jésus. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Nous voulons le proclamer ce matin. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Nous voulons le déclarer, Seigneur. Tu nous as donné ton sang. Car tu dis, celui qui boit mon sang et celui qui mange mon corps a la vie éternelle. Celui qui ne mange pas mon corps, celui qui ne boit pas mon sang n'a point la vie. Sur la base de ta parole, nous voulons ta vie. Nous voulons la vie, Zoé. Nous voulons la vie de distinction. Nous voulons la vie qui nous libère de toute forme de maladie. Nous voulons cette vie qui nous libère de toute forme de virus, de toute forme de microbes qui sont là de façon illégale.
spéciale dans nos corps. Nous voulons recevoir la plénitude de cette vie à l'intérieur de nous ce matin. Parce que c'est toi qui nous l'as donné en t'offrant à la croix pour nous. Nous ne voulons pas rendre la croix vaine ce matin, mais nous voulons être participants de cette œuvre. Nous voulons participer à la table de Christ afin de recevoir tous les bienfaits que tu as prévus pour nous. Oh, il y a la vie, 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 il y a la vie. Nous recevons ta vie ce matin. Nous voulons recevoir ta vie ce matin. Nous voulons, oh Dieu, recevoir tout ce que tu as prévu pour nous ce matin. Esprit de Dieu. Alléluia. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 11, verset 23, l'apôtre Paul dit: car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton corps, pour ce pain qui devient ton corps. Nous te rendons grâce. Prenons ensemble le corps de notre Seigneur. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois où vous en boirez. Nous rendons grâce, Seigneur, pour ton sang qui a coulé pour notre délivrance. Prenons ensemble le sang de notre Seigneur. Alléluia, oui Seigneur. Alors que nous avons bu ton sang, alors que nous avons mangé ton corps, nous voulons ce matin déclarer et décréter une délivrance et une libération totale dans nos corps, dans le nom de Jésus. Car ton sang est puissant et ton corps est puissant. Nous avons communié à ton corps et nous avons communié à ton sang. Maintenant, le sang de Jésus patrouille dans nos corps. Le sang de Jésus patrouille dans nos corps du sommet de la tête jusqu'à la plante de nos pieds. Et vient expulser tout virus, expulser toute maladie, expulser tout ce qui dans nos corps n'a pas le droit de demeurer. Notre corps est le temple du Saint-Esprit et toute chaîne, tout lien, tout blocage est détruit dans le nom de Jésus à cause de la puissance du sang de Jésus, à cause du sang de Jésus qui parle pour nos vies, à cause du sang de Jésus qui parle dans nos corps, dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus, la puissance de Dieu vient parler en notre faveur ce matin dans le nom de Jésus. Et nous acclamons la puissance, et nous acclamons la victoire de notre Seigneur, et nous acclamons pour notre libération, et nous acclamons pour notre libération totale ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur pour le sacrifice parfait. Acclamons le Seigneur pour la puissance qu'il libère à l'intérieur de nous ce matin dans le nom de Jésus. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Et toutes les personnes qui sont assises, nous vous prions de bien vouloir vous tenir debout pour ceux qui le peuvent, car nous allons passer un autre moment très important dans le royaume, qui est celui d'apporter à la maison du trésor nos semences. Amen. Et nous prions notre famille internaute de se joindre à nous. La parole de Dieu déclare dans 1 Chronique 29, verset 14, « Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes ? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » C'est David qui faisait cette prière à Dieu alors que lui et le peuple d'Israël apportaient des offrandes librement, volontairement dans la maison du trésor pour bâtir le temple de Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons véritablement apporter ce que le Seigneur a mis dans nos mains. La parole de Dieu déclare que ce que nous semons, nous le récoltons. Amen.
C'est une vérité biblique. Mais non seulement nous récoltons, mais en plus de cela, le Seigneur nous permet d'être des instruments de bénédiction pour d'autres. Pour que l'évangile soit prêché dans toutes les nations. Pour que des vies soient libérées. Pour que nous puissions voir la réalisation de notre futur campus arriver à manifestation. Cela est possible parce que nous contribuons et nous sommes des sources de bénédiction dans le nom de Jésus lorsque nous respectons cette divine ordonnance. Inclinons la tête et prions. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous reconnaissons ce matin que le privilège, c'est le nôtre. C'est toi qui nous donnes ce privilège d'apporter dans ta maison nos dîmes et nos offrandes. Nous te donnons ce que toi-même tu nous as accordé d'avoir dans nos mains. Et alors que nous respectons, Seigneur, ta parole, alors que nous venons semer, nous croyons en ta protection divine dans nos finances, dans le nom de Jésus. Nous croyons que l'élargissement dans tous les domaines est notre partage. Et nous voulons aussi proclamer qu'à travers nos vies, il y a des âmes qui sont sauvées, il y a des vies qui sont élargies, il y a des nations qui sont ramenées à toi parce que nos finances servent à l'avancement et à l'engrandissement de ton royaume ici-bas sur cette terre. Nous te rendons louange, gloire et honneur avec nos acclamations dans le nom merveilleux de Jésus et nous disons Amen, Amen, Amen. On peut l'acclamer, on peut l'acclamer. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut dire Seigneur? Mes sources sont en toi. Seigneur, je viens te témoigner ma gratitude. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, notre Dieu? Il est la source de nos ressources. Et naturellement, nous venons le célébrer, lui dire merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Disons merci à Dieu, car il nous fait toujours triompher en son nom. Merci à Dieu et à lui, nous sommes vainqueurs. C'est le chant des rachetés, c'est le chant libre des triomphants. Nous disons merci à Dieu, à Dieu. Nous avons la vie, alléluia, alléluia. Tu nous as donné la victoire par le précieux sang de Jésus. Merci à Dieu, toujours triompher en son nom. Merci à Dieu, et à lui nous sommes. Qu'un vainqueur chante, qu'un vainqueur proclame ses paroles. Bénissons notre Dieu pour les victoires qu'il remporte dans nos vies. Disons merci à Dieu, nous savons la victoire. Alléluia, alléluia. Nous avons la victoire par la puissance du nom de notre Dieu. Jésus est ce nom. Alléluia. Celui qui nous fait toujours triompher. Toujours. Nous environnons comme un bouclier. Il nous a donné la victoire. Nous avons la victoire. Avec lui, tout est possible. Nous avons la victoire. Hey, hey. Tout est possible. Nous avons la victoire. Jésus, notre rédempteur. Oh, oh, oh. Tout est possible. Nous avons la victoire, plus que vainqueur. Tout est possible, avec lui tout est possible, tout est possible. Il n'y a plus de restrictions, il n'y a plus de limitations. Avec le Saint-Esprit en nous, nous avons la victoire. Alléluia, hey, nous avons la victoire. Par le précieux nom de Jésus.
s'appelle Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui nous fait. Il nous fait triompher. Il nous fait triompher. Toujours ensemble. Oh, oh, oh. Chante, chante, élève la voix et dis oh, oh. C'est le chant d'une armée conquérante, le cri d'une armée triomphante. Oh, oh, oh. Celui qui nous fait triompher, toujours à son nom. En le nom de Jésus, en le nom de Jésus. Oh, quel que soit l'endroit où tu es sur ce site, et par internet, peux-tu acclamer? Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés, entre ses mains, il tient ma vie, en cette année 2016, parce qu'il vit, parce que tu vis. Non, 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 non. Mais dans demain, ils ne sont pas assurés à la Massif, ni à la Maïfa, ni chez AXA, non. Dans le creux de ta main, l'éternité, je sais qui. Disons-lui parce que tu vis. Je n'ai rien à craindre. Non, 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 non. Mes lendemains sont assurés. Entre tes mains. Je te remercie de ce que tu tiens ma vie. Ce temps et pour cette année et l'éternité, je sais que tu vis, parce que tu vis, parce que tu vis. Je n'ai rien à craindre. Non, 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 non. Mes lendemains sont assurés. Entre tes mains, entre tes mains, tu tiens ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais. Pour ce temps, pour ce temps, pour ce temps, pour ce temps, pour cette saison, pour cette année, je sais que tu vis. Pour ce temps et l'éternité, je sais que tu vis. Pour ce temps et pour ce temps et l'éternité, je sais que tu vis. Alléluia. Parce que tu dis, je n'ai rien à craindre. Merci Seigneur pour 2016. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Tu tiens nos vies. Tu tiens nos foyers. Tu tiens notre histoire. Tu tiens notre destinée. Tu en es l'alpha et tu en es l'oméga. Waouh. Nous sommes reconnaissants. Tu tiens, il tient le monde. Il tient le monde. Il tient le monde. Il tient le monde dans sa main. Il tient le monde, il tient le monde dans sa main. Oh, il tient le monde. Il tient le monde. Il tient le monde dans sa. Dis à ton voisin, il tient ta vie et moi.
ma vie. Dis-lui, tiens, ta vie est ma vie. Chante auprès de ton voisin. Je veux que tu le regardes, tu lui dis. Non, tu dois regarder ton voisin, tu dis. Il tient ta vie et ma vie. Il tient ta vie et ma vie. Oh, il tient ta vie et ma vie. Il tient ma destinée. Il tient 2016 qui ravira de sa main. Il tient le monde. Il tient mon foyer, ma famille. Il tient ma postérité. Il tient chaque jour de cette année. Il tient le monde dans. Dis-lui à ton voisin, il tient ta vie et ma vie. Il tient ma destinée. Et je dis qu'il tient ta destinée. Il tient le monde dans sa main. Il tient cette année 2007. Il tient mes pas et mes sentiers. Il tient mes chemins et mes voies. Il tient le monde, il tient le monde, il tient le monde dans sa main. Il tient le monde dans sa main. En bas des mains, il tient le monde dans sa main. Dans sa main, il tient le monde dans sa main. Il tient ma vie, ta vie dans sa main. Il tient mon futur dans sa main. Il tient chaque semaine dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Les pétards m'abrons son con, il est les labos. Et les candards et la rosa, et les mains. Il tient ma destinée dans sa main. Il tient ta santé dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Tout le monde dans sa main. Dans sa main. Dans sa main. Et tes bros sont à t'aller les mots. Nickel de la pabroso les caillards. Si ma récate la pabroso les maillets. Nickel de 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 la pabroso les maillets. Il tient ta vie, ma vie dans sa main. Qui nous ravira de sa main. Qui nous arrachera de sa main. Il tient ma destinée dans sa main. Il tient ta postérité dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Dans sa main. Et son cachet est là. Il tient le 2016 dans sa main. Tu tiens notre destinée dans ta main. Tu tiens la francophonie dans ta main. Tu tiens notre futur dans ta main. Je n'entends pas. Il tient un vaccin chrétien dans sa main. Il tient l'église dans sa main. Il tient l'église dans sa main.
Saint-Esprit me disait, as-tu idée du nombre d'incantateurs, d'esprits, d'hommes et de femmes pratiquant les sciences occultes qui ont fait des incantations, qui ont prononcé des sortilèges? Face à Élie, ils étaient 400. Élie était seul contre 400. Les 400 prononçaient des sortilèges. Qu'ils meurent, qu'ils meurent, qu'ils meurent, qu'ils meurent. Ils sont malades. Ils sont foyés, ils sont dans la confusion. Ils ont prononcé toutes sortes de paroles. Élie était là. Et il riait. Le Saint-Esprit m'a dit, tu as aidé du nombre de gens qui en 2015 ont dit, il n'attend pas l'année. Il n'attend pas l'année. Il n'attend pas l'année. Et ils avaient le front fermé. Il n'attend pas l'année. Il meurt. Est-ce que tu as remarqué cette année, il y a des gens, quand tu les as rencontrés, sans, tu ne les connaissais pas, mais ils t'ont regardé avec une telle haine, un tel mépris. Et tu ne les connaissais même pas, mais ils t'ont sali, critiqué, dénigré, calomnié. En fait, ils cherchaient à atteindre ton cœur et que ton cœur soit battu. Alors tu sais, si tu es là, aujourd'hui, début 2016, ça veut dire qu'il a échoué en 2015. Pourquoi? Il te tenait, il te tenait, il te tenait, il te tenait dans sa main. Il me tenait, il te tenait, il nous tenait. Il te tenait, il nous tenait, il demeurait. Il tient nos vies dans sa main. Il tenait ma santé dans sa main. Il tient ma postérité dans sa main. Il tient ma destinée dans sa main. Il tient mon histoire dans sa main. Voilà pourquoi je ferai du bruit. Voilà pourquoi je ne me retiendrai pas. Voilà pourquoi j'acclamerai son nom. Voilà pourquoi je ferai retentir des cris de joie. Il est attaché de l'émotion. Yeah, 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 yeah. De dans sa main. 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 Dans sa main, dans sa main. Quand tu chantes ce genre de chanson, tu ferais mieux de fermer les yeux, de peur que ton voisin soit froid comme un glaçon et ne soit pas reconnaissable. Y a-t-il une personne pour lever les mains? Les têtes et la rabosse. Dans sa main. Dans sa main. Dans sa main. Avancez les mots, papa. Yeah, les mots. Alléluia. Oh Père, ce n'est pas un cancer gospel. C'est juste des cœurs qui résonnent au-delà des voix et des harmonies vocales. Ce sont juste des cœurs qui ont envie de dire merci, qui ont envie de te rendre honneur, louange et gloire, et de prendre le temps d'exprimer leur gratitude et qui ne se lassent pas de dire merci. C'est certain que l'année qui vient de passer ne s'est pas déroulée exactement comme tu voulais. Il y a forcément un domaine au moins dans lequel tu te sens frustré. Mais si tu examines bien, tu reconnaîtras qu'il y a au moins un autre domaine où tu as quand même progressé, où tu peux quand même reconnaître que tout n'a pas été si sombre. En réalité, si tu prends le temps de compter ces bénédictions, de compter ces bienfaits, de compter
c'est grâce. Si tu prends, tu fais le choix de regarder à ce qui a été et non à ce qui n'a pas été. Je te promets que tu trouveras, tu commenceras par un doigt, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, et puis après tu t'arrêteras plus. Oh, de dire, oh, merci pour la grâce de marcher, merci pour la respiration, merci pour la grâce de saisir, merci Seigneur, oh, merci pour la respiration, merci pour la grâce de pouvoir parler. Seigneur, merci de ce que j'ai été préservé de la folie. Il y en a plein, les réclamations, il y en a plein dans l'âme, dans le corps, dans la tête, a été réclamé par des esprits de folie. Mais Seigneur, si j'ai une raison saine et la capacité de discerner les choses et de pouvoir louer ton nom, c'est encore là un don de Dieu. C'est encore là l'expression de ta bonté, de ta fidélité, de ta miséricorde, de ton secours, de ton assistance, de tes compassions, de ton salut, de ta justice, de ta bienveillance, de ta bonté, de ta miséricorde qui durera toujours. Et en cela, je suis reconnaissant. Oh, oh, oh. Je choisis de me souvenir de compter tes bienfaits. Mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Des autels avaient réclamé ta vie, des autels sataniques, des autels d'esprits familiers. La mort avait réclamé ta vie, avait dit l'échec avait réclamé ta vie. Ils avaient dit, ce sont des autels, c'est des autels que partaient des démons de l'enfer, des autels familiaux, des autels de ta famille. Ils disent, on a affligé son père, on a affligé sa mère, il nous appartient. Mais le sang a dit, non, non coupable, il ne vous appartient pas. Il n'y a désormais plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ et qui marchent, non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis, libérés de la loi du péché et de la mort. Ô gloire, te soit rendue. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue. Nous avons mis les pieds dans une nouvelle année. Waouh, merci. Gloire te soit rendue. Tu es notre alpha. Ta main est sur nous. La raison pour laquelle nous sommes aussi nombreux. Les cabros sont catélés. Et la rabot. C'est parce que tu nous as accordé la grâce de ne pas perdre la mémoire et de nous souvenir de tes compassions, de tes bontés. Oh, 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 oh. Père, nous sommes reconnaissants. Merci de ce que tu as commencé l'année avec nous, le 31 décembre. Et une promesse que nous avons retenue particulièrement, c'est que tu nous conduiras. Tu prends les rênes. Celui qui me combattra ne combattra pas moi. Il combattra. Parce que quand tu donnes les rênes, c'est comme quand tu es sur un vélo. Quand tu donnes les rênes, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est devant toi, tu es derrière. Ça veut dire qu'on ne te voit plus. On voit celui qui prend le volant. Celui qui me combattra ne me combattra pas. Il combattra celui à qui j'ai confié les rênes. Il combattra le feu dévorant. Il combattra le bouclier de ma vie. Il combattra le rocher de mon cœur. Il combattra le Seigneur, le juste juge. Il combattra le Seigneur, ma forteresse, mon allégresse, mon Dieu en qui je me confie. Le rocher des siècles. Aujourd'hui encore, pour ce culte, conduis-nous sur le chemin de ta volonté. Cette année, bannis la superficialité. Enlève de nous le désir d'impressionner les gens, d'attirer l'attention du monde. Enlève en nous toute fausseté radicalement. Imprime la pureté de ton cœur, l'authenticité, la sincérité, la vérité,
le véritable. Chaque jour, et déjà aujourd'hui, nous nous souvenons que tu nous conduiras. Nous ne manquerons pas de repères. Nous ne serons pas délaissés. Nous ne serons pas abandonnés. Nous ne serons pas rejetés. Nous te remercions pour la grâce de t'appartenir. Nous te remercions d'être notre Père, notre Dieu, notre Seigneur, notre source, notre Sauveur, notre Rédempteur. Cette année, je veux t'adorer. Cette année, au paradis. Cette année, Saint-Esprit, viens remplir ma vie. Cette année, je veux t'adorer comme jamais. Au paraclet, ça veut dire consolateur, celui qui vit en moi, celui qui fait ton ministère à l'intérieur de moi, celui qui me fait mûrir, celui qui me conduit dans toute la vérité. Oh Saint-Esprit, celui qui m'annonce les choses à venir, celui qui m'enseigne toutes choses, celui qui me fortifie puissamment dans mon homme intérieur, celui qui redonne la vitalité, la guérison, la santé divine à mon corps mortel. Celui qui me oint d'esprit saint et de puissance. Je veux t'adorer. Entamer avec toi une nouvelle dimension de profondeur, d'intimité, de consistance. Je veux. Oh, oh. Saint-Esprit, je veux, viens, je suis à toi pour te servir. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je suis à toi pour te servir. Saint-Esprit, mets-moi au garde à vous. Rends-moi sensible à toi. Rends-moi intime de toi. Je suis à toi. Oh magnifique. Rends-moi sensible à toi. À l'écoute de ta voix. Sur ta parole, fais-moi agir. Je suis à toi pour te servir. Pour être un instrument, Saint-Esprit, je suis à toi pour te servir. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens. Et remplis ma vie.
Je te remercie. Nous sommes à toi de servir. Je te remercie. Magnifique présence de Dieu. Au nom de Jésus. Que ce culte soit conduit par toi, pour toi, en toi, Christ, et avec toi. Nous, nous avons la volonté, mais nous sommes tous des incapables. Et nous sommes d'accord avec toi. Nous sommes d'accord avec toi. Lorsque tu dis que nous ne savons pas comment il convient de prier, et nous rajouterons, nous ne savons pas comment il convient de parler, et nous rajouterons, nous ne savons rien faire du tout. Et nous sommes d'accord avec toi. Tu as dit dans ta parole, demeurez en moi, je demeurerai en vous, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et nous sommes d'accord. Voilà pourquoi c'est ta capacité que nous invitons, que nous invoquons, que nous implorons, afin que toi et toi seul, tu sois la différence en 2016 et que tu fasses intégralement, entièrement, toute la différence. Honneur, louange et gloire à toi, qui siège au milieu de la louange et de l'adoration de ton peuple. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, avec action de grâce. Amen, amen, amen. Amen. Dis-moi un bon amen. Que quelqu'un dise gloire. Que quelqu'un dise gloire. Dis-moi gloire. Dis-moi gloire. Allez, 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 allez. C'est l'atmosphère qui t'accompagnera en 2016. C'est la couverture qui t'enveloppera en 2016. Tu seras accompagné, enveloppé, entouré. Nous serons de sa gloire. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue à chacun d'entre vous. Bienvenue à cette grande famille avec qui nous sommes en communion chaque dimanche. Nous sommes honorés d'être en communion avec une si grande famille. Et vous avez vu le 31, que c'est une famille qui dépasse les frontières de la France, qui se déploie, qui s'étend partout. Et quand je pense que ce n'est que le début du commencement, ne sois pas impressionné si quelqu'un te dit waouh, tu dis waouh, amen. Mais nous, on ne fait que démarrer. Il y a la francophonie à récupérer. Les gens me demandent, mais pourquoi pasteur, en particulier la francophonie? Je dis non, la francophonie, on commence. Quand je dis la francophonie, ce ne sont pas que les pays francophones, ce sont les peuples, les populations francophones. Il faut toujours commencer par Jérusalem, Judée. J'ai des invitations en Amérique du Sud. J'ai des invitations pour aller dans tous les pays. J'en ai. Je leur ai dit, moi, tant qu'on n'a pas conquis la francophonie, je ne vais pas me défocaliser. C'est d'abord la francophonie. Dieu m'a dit, prends-moi la francophonie. Il y a 500 millions de personnes. Les autres, ils vont prendre l'interprétation des livres. Moi, d'abord mes déplacements, c'est les peuples francophones. C'est mon fardeau que Dieu m'a donné. Dieu m'a dit, prenez la francophonie. Et par la grâce de Dieu, nous avons commencé à prendre la francophonie. C'est impressionnant de voir le nombre de personnes dans les différents campus. C'est impressionnant de voir le nombre de jeunes qui hier traînaient dans les rues. C'est impressionnant de voir dans tous les campus d'un pasteur chrétien le nombre de jeunes qui reviennent à Jésus. Très tôt, très tôt. Et je disais à une jeune fille tout à l'heure, franchement, si à ton âge de 20 ans, tu entends ce qu'on dit ici, tu absorbes ce qui est enseigné dans cette maison, à 35 ans, je ne sais pas où tu vas finir, PDG, DG, ministre, chef d'État, mais tu ne peux pas rester ordinaire. La question que je me pose, c'est
Si tout le monde devient chef de l'État, ministre, directeur, PDG, comment ça va être, je ne sais pas. Mais je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Lorsque les cœurs des jeunes reviennent à Dieu. N'écoutez pas les médias. Les médias disent oui. Enfin, il faut écouter, c'est pour certains. Les médias disent oui, un enfant sur deux a fumé du cannabis. Pas mes enfants, pas tes enfants. Kalebokata. Massacre lebrosolama. S'ils avaient fumé, ils vomissent à jamais au nom de Jésus. Ils ont la haine. Dans nos maisons, le Saint-Esprit règne. Et ce règne s'étend dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos pays, dans nos régions, dans nos départements. C'est un mouvement divin qui a commencé. Et le Seigneur, il faut reconnaître véritablement que le Seigneur a été avec nous en 2015. Vous savez, même quand on est de mauvaise foi et qu'on est frustré, qu'on est aigri, on ne peut pas avoir un bon fruit. Et puis dire, l'arbre là est pourri. Hein. Quand le fruit est bon, tu dois seulement dire, même si je n'aime pas le fruit, reconnais qu'il est bon. Et quand le fruit est bon, reconnais que l'arbre est bon. Non, parce que si tu dis, tu vois un bon fruit, quand tu dis non, il est fort. Tu ne peux pas dire l'arbre est pourri, non. Donc je me dis, honnêtement, de toi à moi, même si tu ne nous aimes pas, reconnais quand même que le Saint-Esprit est à l'œuvre ici. Reconnais quand même. Reconnais. Même si tu es fâché, tu as le front qui... Reconnais quand même que ce n'est pas une initiative et une entreprise humaine. Reconnais quand même qu'elle vient de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Vous savez, je tiens d'abord. Vous allez vous asseoir tout à l'heure. C'est bon de rester debout. Au temps biblique, je vous rappelle que Jésus était assis dans la barque et que la foule était debout. Vous l'écoutez. Va lire ton Nouveau Testament. Mais on ne va pas faire ça trop longtemps, de peur que tu ne fuis. Mais comme il y a aussi plein de monde qui sont debout, parce que tout le site est plein, toutes les salles sont remplies, donc c'est un signe aussi de solidarité. Et ceux qui sont dans les salles annexes, ne laissez pas la salle dans laquelle vous êtes, ou votre voisin, vous empêcher d'avoir une attitude focalisée sur Christ. Tu ne laisses personne. C'est pour ça que des fois, il faut juste fermer les yeux. Voilà. Ne regarde pas le plafond. Hein? Ferme les yeux. Le lieu sur lequel tu te trouves est un lieu qui est saint. Ferme les yeux et adore Dieu. Je voulais d'abord demander pardon à toutes les personnes qui n'ont pas pu rentrer le 31 décembre lors du réveillon. La vérité, c'est que nous n'étions pas chez nous. L'endroit que nous avons loué pouvait recevoir 3000 places. Et on atteint quasiment les 4000 places. Non, les 4000. Malgré tout, à un moment donné, ils ont dû fermer parce que les gens continuaient de venir. Et ils avaient déjà excédé de 1000 et ils ne pouvaient pas laisser rentrer plus que cela. Donc vraiment pardon pour ceux qui n'ont pas pu rentrer. Mais il n'empêche que nous bénissons Dieu parce que ça a été une démonstration de la popularité de Jésus encore une fois de plus. Ouais. Tout à l'heure, j'étais heureux, le premier culte, j'étais heureux parce que j'ai ma petite nièce qui s'appelle Castanou comme moi et qui s'est avancée pour l'appel du salut et qui a reçu Jésus. Et elle était têtue, elle allait tout le temps dans ses boîtes de nuit, dans ces choses-là. Elle disait, ah non, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Dimanche dernier, elle est venue à l'église, elle a été touchée. Le 31, elle a dit, mais je pouvais pas rater ça, c'était tellement fort. Elle dit, je craignais de m'ennuyer, parce que ça a l'air tellement long toute la nuit, qu'on allait faire quoi, qu'on va faire toute la nuit. Mais à la fin, elle m'a dit, j'ai trop aimé, c'était beau, c'était formidable, c'était trop fort. Mais qu'est-ce que j'attendais? Et tout à l'heure, au premier culte, on a fait l'appel au salut. Elle a levé les mains. Oui, prends tout. C'est... Oui, oui, oui. Prends tout. C'est... Entre tes mains. Entre tes mains. J'abandonne tout. Franchement, de vous à moi, y a-t-il meilleur moment que le début de l'année pour donner sa vie à Jésus? Parce qu'il est le premier, il est le commencement. Alors, si tu comprends un peu, si tu es un peu sage, tu comprends que il vaut mieux commencer l'année avec le commencement. Parce que quand il est le commencement, il est aussi la fin. Et quand il est le commencement de ton année, tu peux être certain qu'il sera à la fin de l'année. Autrement dit, tu
tu ne seras pas emporté ni par une maladie, ni par un accident, ni par une catastrophe, ni par... Oui, 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 oui. C'est le meilleur des moments. Entre tes mains, Saint-Esprit, entre tes mains, entre tes mains. Entre tes mains, entre tes mains, tu peux naître de nouveau. Je t'annonce en début d'année. Tu peux carrément commencer l'année. Ta vie, ta vie, ta vie. Et reparti à zéro, reparti à zéro avec Jésus, vergé. Comme ces milliers de jeunes qui ont accepté Jésus dans tous nos campus le 31 décembre. Tu peux, tu peux, tu peux. Tu peux commencer avec, avec Jésus, allez, partir à zéro, repartir à zéro, repartir à zéro avec Jésus. Ce week-end, des centaines de jeunes, de personnes, pas que de jeunes, j'ai vu des parents, ont accepté Jésus. Et le culte est un peu décousu là. Tu dis quoi? Il commence maintenant par la prière du salut. Dis avec moi, c'est le? C'est le? Acclamons la présence de Christ. Et repartir! Et repartir à zéro, comme Jésus, et cabrosso ma cara, et repartir à zéro, et repartir à zéro, Jésus. Alors que nous étions plus de 4000 personnes au palais des congrès de Montreuil. Maman, je ne sais pas comment on va faire l'année prochaine. Hein. Vraiment, il faut commencer à prier en esprit tout de suite. Alors qu'on était, il y avait plus de 7000, pas loin de 8000 connexions. Pas personne. Connexions en direct sur Internet. Ça veut dire potentiellement peut-être 20 000, peut-être 25 000 personnes. On n'en sait rien. Juste avec moi, waouh. Ne me dites plus. Ne me dites plus que les Français, que la France est froide et que les gens ne veulent pas Dieu. Les gens n'ont jamais rejeté Dieu. Les gens ont rejeté le package, l'emballage avec lequel on leur a présenté Dieu, la religion. Mais le jour où ils découvrent que Dieu n'est pas dans une religion, que Dieu est une personne, c'est un père qui veut une relation avec ses enfants. Le jour où les gens découvrent la réalité de ce Dieu qui change la peur en paix, qui change la tristesse en joie, qui change la dépression en encouragement, qui change les, qui brise les joues, qui change la maladie en vitalité. Le jour où il découvre la simplicité de ce Dieu, qui démontre son amour, pas à travers juste des paroles, mais à travers des actions appelées miracles, signes et prodiges. Le jour où il découvre ce Dieu qui console les affligés, ce Dieu qui ne culpabilise pas, ce Dieu qui ne condamne pas, ce Dieu qui ne dit jamais, tu vas aller en enfer, tu vas voir, tu es méchant. Non,
Ce Dieu qui dit toujours avec compassion et miséricorde. Où sont ceux qui t'accusaient, femme? Parce qu'ils n'accusent jamais. Ils ne jettent jamais la pierre. Jamais. Une religion, une théologie qui jette la pierre sur l'homme pécheur n'est pas Dieu. Ce n'est pas Christ. Christ ne jette pas la main, ne jette pas la pierre sur l'homme pécheur. Christ tend la main à l'homme pécheur. Christ ne coupe pas le bras d'un voleur. Il lui tend la main. Il lui dit, viens à moi, je suis capable de te libérer. Non, mon bras n'est pas trop court pour sauver, ni mon oreille trop dure pour entendre. Je suis te tends la main. Et Jésus-Christ est le bras de Dieu tendu vers les hommes. La religion, c'est les hommes qui ont tendu la main vers Dieu. Mais Christ, c'est Dieu qui a tendu la main vers l'homme en disant, viens, reviens à la maison. Repartir, pas zéro, oui, repartir. Il m'a tendu la main, il te tend la main, quel que soit le péché qui te liait, qui te retenait, et tu peux repartir. Tu peux, pas avec une religion, non, non, tu peux repartir, repartir. Ay le que te la babrosa, le que te abroso camal de reremos. Lorsqu'il m'a permis de le rencontrer en 1995, j'étais un jeune, je sortais de mon école de commerce, j'étais un shoga. J'avais des copines partout. Et j'avais fait tellement de bêtises, comme les jeunes de mon âge à l'époque. J'avais fait tellement de sottises. Et le jour où je l'ai rencontré, je m'attendais à être grondé. Je m'attendais à être pointé du doigt. Méchant, pécheur, infidèle. Je m'attendais. Et la chose qui, moi, les femmes, nous, on n'est pas pareil que vous, d'accord? Nous, nous sommes les hommes. On a un petit côté carapace, dur, cuirasse. Et ce jour où je l'ai rencontré, j'ai fondu, j'ai pleuré. Parce que je n'ai pas compris. Parce que j'ai entendu une voix qui m'a juste dit je t'aime. J'ai dit ah non, ce n'est pas possible, on ne peut pas m'aimer. Non, j'ai fait tel avortement, avortement 1, avortement 2. Et en fait c'est vrai, ma vie passait comme sur un écran. J'avais les yeux fermés mais c'est comme si j'entendais, je voyais tout ce que... J'ai dit mon Dieu, j'ai tué des gens, Seigneur j'ai tué. Et puis il me fait voir ça. Et puis, j'attends une sentence de mort, coupable en enfer. Et j'entends seulement, je t'aime. Je dis, comment, qui m'aime? On ne peut pas m'aimer. Regarde, on ne peut pas m'aimer. Et je me suis mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. J'ai dit, et ce jour-là, j'ai cédé. Ce n'est pas la violence, la brutalité qui m'a sauvé. C'est l'amour de Dieu qui m'a confondu. Qui m'a confondu. Et reparti, et tu peux. Entends cette mélodie. Entends cette parole. Il ne te condamne pas. Il ne te culpabilise pas. Il a compassion. Et il te tend la main. Parce que le sang de Jésus a coulé. Pour que tu n'ailles pas en enfer. Pour que tu ne sois pas oppressé. Tu ne sois pas opprimé. Tu ne sois pas déprimé. Le sang a coulé. Pour que tu puisses repartir. Revêt, revêt. Tu peux, tu peux, tu peux. Tu peux. Afin que nous soyons tous au même niveau, y a-t-il une personne, avant qu'on ne continue le culte, y a-t-il une personne qui veut lever la main et dire, moi je veux revenir à la maison? Pas juste. Il y a quelqu'un qui est venu ici parce que c'est le début d'année. Parce que c'est le temps des bonnes résolutions. Mais il me dit, et si on allait t'arrêter aujourd'hui, on cheminait ensemble tout au long de l'année, est-ce que ça te dit? Est-ce que ça te parle? Et si je marchais avec toi, si je te gardais dans le creux de ma main tout au long de cette année, et si tu m'invitais en toi, mon sang a coulé pour que tu n'ailles pas en enfer. Mon sang a coulé pour te ramener comme l'enfant prodigue. J'entends
les cris de ton cœur. Je vois que tu n'es pas heureuse, que tu n'es pas heureux, que tu n'as pas la paix. Et tu le sais, tu n'as pas la joie. Et pourtant, normalement, tu devrais, d'après les gens de ton entourage, tu as tout ce qu'il faut pour être heureux, mais tu ne l'es pas. C'est à toi que je suis en train de parler. Tu sais pourquoi? Il y a un vide au-dedans de toi. Et ce vide ne peut être rempli que par une présence. Aucun objet matériel, aucune femme, aucune... Non, rien, ni le sexe, ni la drogue, ni les boîtes, ni les amis ne pourront le combler. Il n'y a que lui. Ce vide ne peut être occupé par lui. Veux-tu lever la main? Là, là où tu es. Dans toutes les salles annexes, dans toutes les salles de ce site, veux-tu lever la main et dire, je ne veux pas juste venir à toi le 3 janvier. Je veux venir à toi et marcher avec toi. Définitivement, marcher avec toi. Comme le fils prodigue qui était dans la boue avec les cochons, les porcs. Aujourd'hui, je reconnais que je suis dans une condition de saleté. Mon âme est sale. Quand tu regardes à ton âme, tu te sens coupable, tu te sens triste, tu te sens rejeté. Tu es une combinaison de tristesse, de mélancolie, de rejet, de dépression, de colère, d'amertume, d'animosité. Et tu ne sais même pas. Et des fois même, tu es désolé du mal que tu fais aux gens autour de toi. La vérité, c'est que tu es juste saisi, rongé par la colère, la haine, la frustration. Et au plus profond de toi, tu cries dans le toit pour avoir la paix. Tu dis vraiment, tu dis comme Paul, qui me délivrera de cette misère, qui me délivrera de cette vie de misère. Jésus a donné sa vie pour te donner, Jésus est mort pour te donner sa vie, la vie divine, la vie éternelle, la vie de Dieu. C'est la vie qu'il est venu donner aux hommes, pas une religion. Il a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie, qu'elle soit, qu'elle est, qu'elle possède cette vie en abondance. C'est une vie que tu vas expérimenter. La paix au milieu de des problèmes. Tu ne comprends pas pourquoi. Tu as une paix indescriptible et pleine de gloire. Tu ne sais même pas pourquoi. Au milieu normalement des inquiétudes, au milieu normalement de la tristesse, tu as une joie qui monte en toi. Juste la joie d'être dans le creux de sa main. Parfois tu te sens malade, mais tu as une paix combinée avec une joie totale. Parce que tu sais que cette maladie ne te tuera pas. Et même si tu devais partir de la terre, tu as une paix parce que tu sens au plus profond de toi que tu ne vas pas dans le néant, dans l'incertitude. Tu n'espères pas, tu sais, parce que le Saint-Esprit te dit que tu vas rencontrer le Créateur et rentrer à la maison, parce que tu es un esprit qui habite dans un corps. Un jour, ce corps retournera à la poussière, mais où ira l'esprit? Où ira l'esprit? Il te donne la possibilité de choisir aujourd'hui. Il ne viole pas ta volonté. Mais choisis la vie. Choisis la vie. Reviens à moi. Mon sang a coulé pour toi. Y a-t-il une personne qui veut lever la main dans toutes les salles et sur Internet qui veut dire, je veux revenir à la maison. Je veux revenir à la maison. Ma première résolution de l'année, ça ne sera pas d'aller à l'église un seul dimanche de l'année. Ma première résolution de l'année, ça sera de revenir à Dieu pour toute l'année. Lève la main, lève la main, lève la main, lève la main. Je vois les mains levées. Vous qui avez levé la main, venez devant, dans toutes les salles. Venez ici devant, nous allons prier pour vous. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Venez, pendant qu'on acclame, 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 on acclame. Ils ont fait le bon choix, ils n'ont pas eu honte. Il a dit, si tu me confesses devant les hommes, si tu prends publiquement position, je te confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Avec Jésus pour berger et repartir. Et repartir. Et repartir. Impact sans chrétien, je n'entends pas. Je veux voir monter des clameurs, des acclamations. Avec. Ils sont plusieurs dizaines qui reviennent à la maison. Les qui étaient la bobo. Avec. Ils arrivent encore et encore. Berger, tu vas repartir. Tu vas repartir. Avec. Partir à zéro.
Vous qui êtes en communion sur Internet, cliquez sur la bannière appel au salut. Vous cliquez tout simplement. C'est le temps de la meilleure des résolutions. Avec Jésus, conduis-moi, et je suis. C'est la prière de nos frères et de nos sœurs ici. C'est la prière de chacun d'entre nous. Tu m'appelles. J'attends. Tout le monde lève les mains. C'est une manière de dire je m'abandonne à toi. Prends le volant de ma vie. Conduis-moi. Magnifique Jésus, mon sauveur. Merveilleux rédempteur. J'entends. Je dis, me voici. Rocher, tu ne me condamnes pas. Tu ne m'accuses pas. Mais tu me tends la main. Les religions culpabilisent, mais tu m'appelles. Je te conduis. Tu m'appelles. Allez, les mots. Je te donne la main. Il m'a gâté la main. Je ne te donne la main. Tu m'appelles. Je dis, me voici. J'entends le son de la voix. Comme a dit Paul, au roi Agrippa, je n'ai pas pu résister à l'appel, à la vision scellée. J'entends le son de sa voix. Il dit, mon enfant, reviens. Jeune, vieux, reviens. Tu m'appelles. Allez, que t'es dans l'amour. J'entends ta voix. Conduis-moi. Tu m'appelles. Je te réponds. Tu il t'appelle. Il a besoin de ta réponse. Jésus est un gentleman. Les démons ne demandent pas d'autorisation pour oppresser et rentrer dans la vie des gens. Mais Jésus, par son esprit, dit, je frappe à la porte, je ne rentre pas en désordre. Je frappe si tu entends ma voix et que tu ouvres la porte. J'entrerai, je souperai avec toi, je communierai avec toi. Et toi, avec moi, et plus personne ne te ravira de ma main, parce qu'une fois que tu es dans ma main, je suis le créateur, la parole qui a créé les cieux et la terre. Quel démon, quelle maladie, quel problème est capable de te ravir de ma main? Ta sécurité se trouve dans le creux de ma main. Tu m'appelles et j'entends et dans cette attitude, je vais juste vous demander de répéter cette prière. Je vais vous emmener à faire et l'église va vous accompagner. C'est une prière de réconciliation. C'est une prière de retour. Voulez-vous élever la voix et répéter avec moi ces paroles? Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je me suis éloigné. Je suis comme l'enfant prodigue qui s'est perdu, qui s'est égaré. Et pourtant, tu me connaissais. Avant la fondation du monde, tu m'aimais déjà. Tu ne m'as jamais condamné. Tu ne m'as jamais accusé. Tu m'as toujours tendu la main. Aujourd'hui, devant Dieu, devant les hommes, devant les anges, j'accepte cette main tendue. Je reviens à toi. Pardonne mes péchés. Entre dans ma vie. Change ma vie. Deviens mon sauveur.
Deviens mon Seigneur. Récris l'histoire de ma vie. Et fais en sorte qu'un chef-d'œuvre sorte de ce vase de terre pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. 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 Tu m'appelles. Je te répondrai. Distribuer les trucs ici. On a un véritable défi de logistique aujourd'hui. Non, non, on va le faire ici. On va vous remettre des fiches. On va vous remettre des fiches. On va vous remettre des fiches. On va vous demander de remplir. Une fois que vous avez dit oui à Jésus, nous voulons vous prendre par la main. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Amen. C'est la plus belle expérience. C'est le plus grand miracle du monde. C'est la décision qui détermine où vous allez passer l'éternité. Et vous allez découvrir ce que Dieu a en réserve pour vous. Il y a 64 personnes qui ont cliqué sur Internet pour répondre à l'appel au salut. Enfin, 64 clics. Je ne sais même pas si c'est personne. Parce que des fois, c'est toute une famille qui est appuyée ensemble sur le bouton. Oui, Jésus. Wow. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Et si vous êtes sur Internet, veuillez remplir le formulaire qui vous est proposé sur Internet et vous serez recontacté. Amen. Nous voulons prendre vos coordonnées. Ne partez pas sans nous donner vos coordonnées. Nous allons vous contacter, vous inviter à un programme spécial de formation pour vous expliquer ce qui vous est arrivé. Nous allons vous prendre par la main. Je ne sais pas parmi vous qui sera pasteur, mais en tout cas, il y aura des pasteurs, il y aura des tueurs de géants, il y aura des directeurs, il y aura des ministres, il y aura des présidents, il y aura des chefs d'État, il y aura des invités, il y aura toutes sortes de personnes que tu vas susciter comme des réponses de Dieu à leur génération. Vous êtes les bienvenus dans la maison de Dieu. Amen. Waouh, vous êtes tellement nombreux, je suis impressionné. Wow. Il y a de la joie dans le ciel. Wow. Wow. Généralement, on a une pièce dédiée, sauf que, ou alors on va sur à l'extérieur. Mais le défi, comment? Dans la cour, oui, mais ils sont bien là aussi. Vous voulez ramener dans la cour, hein? Ils sont bien là, non? En plus, dans la cour, il y a la pluie. Je préfère la pluie d'ici que la pluie à l'extérieur. La pluie d'ici, c'est le Saint-Esprit. L'extérieur, c'est pas le Saint-Esprit, ça mouille. Ici, ça lave l'homme intérieur. Ouais, est-ce qu'on peut acclamer. Exprimons notre reconnaissance à Dieu. Wow. Quand je pense à ma vie, à ce vase de terre, l'eau vase de tes mains. Quand je pense à ce chef-d'œuvre que tu as commencé en 2016 à travers moi, l'eau, je suis l'ouvrage de tes mains. Mes mains s'élèvent. Wow. Je suis honoré de commencer l'année avec toi. Pas avec une religion, mais avec Jésus le Christ, la source de la vie. Mes mains s'élèvent.
Tu es le commencement de cette année. Tu seras la fin de cette année. Tu seras le conducteur de cette année. Invisible et tout puissant. La main invisible de Dieu sera sur toi. Sa fidélité sera ton bouclier. Sa capacité sera ta capacité. Son cœur sera ton cœur. Il te gardera de tout danger. Il t'ouvrira les portes fermées. Malekata la rabo contra la rabo. Mema, mema. Tu triompheras de tes ennemis. Tu triompheras des adversités. Tu triompheras des barrières. Il ne comprendra pas comment nous avons traversé. Mais nous leur dirons, nous avons été divinement, divinement transportés, divinement téléportés. Mais les cambros sous la lame pour te louer, pour t'adorer. Même, à la régate des mots, les jeunes et les cambros. Oh, oh, même. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur pour ces nombreux bien-aimés qui sont venus dans la famille de Dieu? C'est le temps de l'expansion du royaume. Acclame, 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 acclame. Pour te louer. Oh, Jésus. Pour t'adorer, oh Jésus. Nous reconnaissons que Dieu assurément, cette année sera spéciale pour toi et moi. J'ai dit cette année sera spéciale pour toi et moi. Cette année portera sur ta vie et sur ma vie le sceau du miraculeux. Amen. Le sceau de la distinction divine. Amen. Le sceau de l'exception divine. Amen. On verra tes progrès. On verra ton cheminement. On te dira, mais oh, je ne comprends pas. Nous tous, normalement, ça prend tant de temps, ça rame, ça toi. Toi, on a l'impression que, on dirait que tu es en train, on dirait que tu n'es pas en train de marcher. On dirait que tu es en train d'être... Tu leur diras, je suis divinement porté, téléporté, transporté, accompagné. Nous voulons aujourd'hui est un culte spécial d'action de grâce où nous voulons prendre le temps de mesurer la bonté de Dieu, mesurer l'amour de Dieu envers nous. Et pendant que nous étions à Paris, à l'espace Montreuil, à Bruxelles, ils étaient... Vous savez que quand on a commencé ICC Bruxelles en 2011, tout le monde nous a dit, Bruxelles, bon, Paris c'est le cimetière, mais Bruxelles, c'est, je crois que c'était le deuxième cimetière pour les gens. Ils disaient non, les gens ne vont plus à l'église, les gens ont rejeté Dieu, Bruxelles, c'est la crise, c'est tout, c'est compliqué, les églises sont vides. Et on a commencé un pacte sans chrétien avec 20 personnes. Avant-hier, ils étaient 850.
J'étais 850. En Martinique, la petite île de Martinique, un pasteur chrétien, ils étaient 900 personnes. Wow. Je te disais, et je te dis, les gens ne rejettent pas Jésus. Les gens rejettent les emballages religieux. Ils ne veulent pas d'une religion. Et Jésus n'est pas dans la religion. Voilà pourquoi il sort des religions et puis il vient à un pacte de chrétien. À Brazzaville, ils étaient plus de 3000 personnes. À Pointe-Noire, pareil, plus de 3000 personnes. Brazzaville, c'était un gymnase. Pointe-Noire, c'était le stade. Le pasteur de Slamadi, c'était juste waouh. L'année dernière, c'était waouh. Cette année, ça va être waouh. Le Saint-Esprit m'a demandé de vous dire une chose pour aujourd'hui. Ce n'est pas un enseignement, c'est juste une instruction. Juste une chose. Pour les semaines à venir, je verrai quand, pour la première fois de ma vie, depuis que je suis pasteur, le Saint-Esprit m'a demandé de vous parler sur la richesse selon Dieu. La richesse selon Dieu. Et je n'ai jamais parlé de ça. Il m'a dit, cette année, les années qui viennent seront tellement douloureuses, financièrement pour la plupart des gens, qu'il faut que mon peuple opère à une dimension où il surnage. Est-ce que, je ne sais pas quand, mais je dois vous parler de ça. Et il m'a... C'est simple. Vous allez comprendre. Je vois se lever une génération de gens, mais d'abord consacrés à Dieu. D'abord amoureux de Dieu. Parce que quand on parle d'argent dans l'église, les gens ont peur. Dieu n'a pas peur de l'argent. La Bible dit l'argent et l'or lui appartiennent. Ce qu'il ne veut pas, c'est que les gens s'attachent à ça. C'est là que ça crée une concurrence. C'est pour ça qu'il m'a montré qu'il y a deux sortes de riches. Il m'a dit il y a les riches selon le monde, les riches, puis il y a les riches pour Dieu. Et puis quand il m'a donné la distinction entre les deux, il m'a dit, enseigne ça. Je veux sceller une alliance avec des gens qui veulent devenir comme la veuve de Sarepta. C'est-à-dire normalement, pour le monde, tu es pauvre. Mais le monde ne va pas comprendre. Tout comme ils ne comprennent pas. Comment des gens comme nous? Ça n'a rien à voir avec l'église. Mais en pratiquant certains principes, en activant sa foi, les gens demandent, mais comment? Je vous raconterai la semaine prochaine. Je ne sais pas, je ne sais pas si la semaine prochaine, la semaine d'après. Mais j'ai des témoignages à raconter. Saint-Esprit est trop fort. Mais pour aujourd'hui, il m'a dit que nous avons apporté nos vœux et le Seigneur les a reçus favorablement. Les vœux, ce sont des prières, ce sont des demandes, ce sont des requêtes qu'on adresse à Dieu. Et le Saint-Esprit m'a dit, il est un vœu que le Seigneur veut, nous demande d'inclure dans la liste des vœux que nous avons faits. Il y a un vœu qu'il veut. Le vœu, c'est ce que toi tu demandes à Dieu. Dis amen. Amen. Mais le Seigneur veut que tu inclues dans ce vœu quelque chose qu'il veut que tu lui demandes afin que ton vœu soit complet. Il m'a dit jusqu'à présent, vous avez demandé beaucoup de vœux, la santé, la percée, la grâce, tout ça. C'est bon. Travail, mariage, prospérité, santé des enfants. Dis avec moi, c'est bon. Dis avec moi, c'est bon. Et c'est la volonté de Dieu. Mais il m'a dit, il y a un vœu, quelque chose que vous devez me demander. Parce que si vous ne le demandez pas, je ne peux pas vous l'accorder. Or, je veux l'accorder. Mais pour l'accorder, il faut me le demander. Alors il m'a dit, ne demandez pas uniquement la percée, la santé, le travail, le mariage, etc. Même si ces choses sont bonnes. Demandez avec toutes ces choses, il m'a dit, demandez-moi les nations. Faites de cela un vœu. Demandez-moi les nations. Et il m'a donné... Le psaume 2, au verset 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Demande-moi les nations. Si tu ne prends pas les nations, l'occultisme prendra les nations. Si tu ne prends pas les nations, la sorcellerie prendra les nations, la débauche prendra les nations, la violence prendra les nations, la guerre prendra les nations. Si tu ne prends pas les nations, quelqu'un d'autre les prendra.
Demande-moi les nations, c'est-à-dire demande-moi les peuples, demande-moi les âmes, demande-moi les hommes, demande-moi de les ramener à moi. C'est ça. Demande-moi les nations. Demande-moi de les ramener. Autrement dit, prie. Demande le salut des âmes. Parce que l'expansion par le Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit entre dans le plus grand nombre d'hommes, de cœurs, d'hommes et de femmes. Alors il m'a dit de lever un peuple qui dans ses vœux, dans ses engagements, veut inclure. Alors il m'a dit d'abord de te dire, non ok c'est ça, il m'a dit de lever un peuple qui dans son vœu, dans son engagement, veut inclure la décision, la résolution, la détermination d'être un instrument cette année 2016. Par lequel 7 personnes au moins viendront au Seigneur. Ça veut dire, tu décides de devenir un gagneur d'âme. Ça veut dire, 7 personnes viendront au Seigneur, ça veut dire, à travers ton témoignage, mais ça t'oblige à aller et à raconter et à témoigner. Il y a des gens, il me dit de te dire, ça ne sera pas forcément les gens que tu connais, auxquels tu parles. Depuis 1950 et qui ne t'écoute pas. Non. Ça serait des gens que lui, il connaît. Il a disposé leur cœur. Et il sait, comme Corneille, dans Actes chapitre 10, cet homme, il était prêt. Il était complètement prêt. Lui et sa famille. Et ils attendaient juste qu'une personne appelée Pierre vienne leur dire exactement la voie du salut. Il a dit, demande-moi. Je ne te conduirai pas forcément vers les gens que tu connais. Même si vers les gens que tu connais, tu témoigneras. Mais quand tu sens que quelqu'un discute, oh, je ne suis pas d'accord, laisse tomber. Mais si tu me demandes les nations, j'ai des gens dont je sais qu'il suffit juste de jeter l'hameçon. Jette juste le filet et tu vas voir qu'ils vont venir. Pour que tes vœux soient complets. Tu as demandé la santé, la percée, tout. Formidable. Mais rajoute à ça, je veux gagner 7 personnes au moins. Et il m'a dit, imagine-toi, il m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, réfléchis, si juste 200 personnes gagnent 7 personnes, ça fait 1400 personnes à la fin de l'année. Combien sommes-nous ici? Décide! Chaque jour, dis, je suis disposé, je suis disponible. Où que j'aille, Seigneur, fais de moi un canal de bénédiction, fais de moi un témoin. Et Dieu emmènera vers toi. Où il emmènera vers toi, ou toi il t'emmènera vers ces gens, mais tu les reconnaîtras. Même s'ils viennent à l'église, mais c'est toi qui les as emmenés, parce que tu as témoigné, et qu'ils vont dans l'appel au salut, ils seront crédités. 7 personnes. Et il m'a dit, si tu fais ça, tes vœux seront complets. Parce que dans tes vœux, tu auras inclus ce que toi tu veux, mais tu auras aussi pensé à ce que moi je désire. Acclame, 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 acclame. Mes mains pour te louer, pour t'adorer. Oh, oh, Jésus. Mes mains pour te louer. Cette année, nous serons amoureux de toi. Conquis, transformé, impacté, retourné, étiré, déployé, pour t'adorer. Même, cette année tu nous conduis, cette année tu nous transportes. Nous sommes tellement reconnaissants, même. Nous sommes reconnaissants pour ce culte dans ta présence. Oh Jésus, mes mains, pour t'adorer. Oh, oh.
Cette année, j'ai la certitude que Dieu va trouver un peuple plus embrasé que jamais. Dieu va lever une armée. Il est en train, mais c'est une armée qui va se démultiplier. Des disciples seront engendrés. Les péchés qui te retenaient ne te retiendront plus. Les afflictions qui t'affligeaient, si elles ont traversé 2015, je t'annonce qu'elles s'arrêteront en 2016. Le niveau de gloire va monter. Le niveau de ferveur va monter. Le niveau de feu sera intensifié. Et il y a une dimension de feu où plus aucun démon ne supporte de rester. Parce qu'il ne supporte pas le feu. Si hier l'intensité ne suffisait pas, cette année l'intensité est augmentée. Ce qui résistait cède cette année. Les jeux qui persistaient seront brisés cette année. Nous te rendons grâce. Quel honneur et quel privilège que de t'offrir ce culte, de commencer avec toi, de continuer avec toi et d'être conduit par toi. Merveilleux Sauveur, Jésus, le Christ, notre bien-aimé, notre Seigneur, notre Maître, notre Sauveur, notre propriétaire, celui qui nous tient dans le creux de sa main. Nul ne nous ravira de ta main. Nul ne viendra nous chercher dans le creux de ta main. Tu es un feu dévorant. Tu nous environnes de ta grâce comme d'un bouclier. Tu es notre rocher, notre abri sûr, notre forteresse, notre confident, celui en qui nous nous confions. Merci pour la grâce d'être à toi. Le plus grand miracle du monde, c'est nous, nouvelle création. Comment un pécheur peut-il devenir juste? Comment un homme de chair, né de chair et de sang, peut-il sortir un homme né d'esprit et rempli du Saint-Esprit? Comment un zéro peut-il être transformé en héros juste avec une seule présence? Honneur, louange et gloire à toi. Dès maintenant et dans toutes les générations, dans le nom de Jésus. Pour t'adorer, pour te louer, oh Jésus, nos mains s'élèvent. Pour te louer, pour t'adorer, oh Jésus. Quelqu'un me dit amen. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce culte. Au premier culte, vous voyez que c'était complètement différent. Au premier culte, nous avons diffusé une vidéo de rétrospective, une vidéo en image, la rétrospective des enseignements qui ont été donnés, une très bonne vidéo. Mais, comme nous marchons par l'esprit, j'ai ressenti que la priorité, c'était l'appel au salut. Peux-tu dire à trois personnes, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il nous conduira, le Saint-Esprit, nous montrera la voie à suivre, nous distinguera, vivifiera nos corps, brisera tous les jours.
ôtera le fardeau, brisera toutes les chaînes, il fera tout à merveille. Il est l'Esprit de Jésus, celui qui transforme les vies, qui guérit les affligés, qui fait tout à merveille, qui glorifie Jésus, qui envoya la parole, enverra la parole, il guérira son peuple, il convaincra le monde. En ce qui concerne le péché, en ce qui concerne la justice, en ce qui concerne le jugement, il fera tout puissamment. Il te fortifiera puissamment. Il te délivrera de la faiblesse. Il change les faiblesses en force. Il fait tout à merveille. Il est sa majesté. La Bible dit, il s'appelle le Seigneur. Là où se trouve l'Esprit du Seigneur, il y a abondance de liberté. Il fait souffler un vent de liberté. C'est un vent de libération. Non, 2015 ne ressemblera pas à 2016. Il y a un vent de liberté. L'onction de Dieu atterrira. Il a déjà commencé, il s'intensifiera. C'est la saison de l'expansion. Expansion du Saint-Esprit. Accroissement de la puissance de Dieu. Accroissement des merveilles de Dieu. Accroissement des prodiges de Dieu. Tout cela se fera par une seule personne. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le Saint-Esprit. Il est l'Esprit qui opère sur la terre. Il est celui qui incarne le conseil de la Trinité. Il est l'Esprit qui vient des quatre vents. Il est le souffle du Dieu vivant. Il est celui qui ramène à la vie ce qui était mort. Il est celui qui guérit de toute maladie. Il est celui qui a équipé Jésus-Christ. Il est celui qui a rendu Jésus capable. Il est celui qui a rempli Jésus. Il est celui qui a conduit Jésus. Il est celui qui a revêtu Jésus. Il est celui qui nous remplit cette année. Il est celui qui nous conduit cette année. Il est celui qui nous équipe cette année. Il dissout les rondeurs, les tronceurs, les fibromes, les kystes, les virus, les bactéries, les cancers. Il les réduit à néant. Il est celui qui fait tout à merveille. Il est celui qui met la caméra sur Jésus. Il forcera à parler de Jésus. On ne parlera plus des démons. On ne parlera plus de cette douleur dans ton corps. On parlera des merveilles de Dieu. On parlera de guérison. On parlera de miracles et de signes. On parlera de prodiges. On parlera de merveilles de Dieu. Tout cela se fera pas. Le Saint-Esprit, nous acclamons. Le Saint-Esprit. Il est l'Esprit de Jésus. Quand tu acclames le Saint-Esprit, tu acclames Jésus, tu acclames le Père. Acclame, 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 acclame. Quelle que soit la salle, ne laisse pas ton voisin t'empêcher d'acclamer. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Ah.
Amen. Non, je disais quelqu'un me dit Amen. Non, d'autres façons. Quelqu'un me dit Amen. C'est ça, d'autres façons. Quelqu'un me dit Amen. 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 Ça, c'est comme ça que je prie tous les jours, tous les soirs avec mes enfants. On finit comme ça. Amen. Avant de les mettre au lit, on prie ensemble et je leur dis, dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Amen, 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 Amen. Dites Amen. Amen à sa présence. À toutes les paroles prophétiques qui ont été libérées aujourd'hui. Je les reçois, je les attrape, je les garde dans mon cœur. Et je dis, c'est la vérité. Qu'il me soit fait. Selon ta parole, qu'il me soit fait. Je dis Amen. Ma destinée dit Amen. Et toi, mon âme, dit Amen. Ma santé, mon corps, dit Amen. Cette maladie disparaîtra. Ce n'est qu'une question de temps. Est-ce que tu m'entends, mon corps? Toi, dis Amen. Amen, Amen. Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. 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 Oh, si j'étais toi, je ne sais pas toi, mais je sens la présence de Dieu dans cet endroit. Maya, je sens une atmosphère de percée. Je sens une atmosphère de traversée. Je sens une atmosphère d'aller de l'autre côté. Wow! Les cabrosos catalarama. Je sens une atmosphère de liberté. Je ressens des jougs qui sont tombés, des chaînes tombées, des jougs détruits, des fardeaux quittés. Non, des malédictions qui disent, je ne peux plus rester dans ta vie. Des blocages disent, ah, il y a le feu dans cet endroit. Il y a le feu dans cet endroit. Je dois partir. Je dois partir. Je les entends sortir et te quitter. Oh, sacatané de l'amour. Y'a qu'à là-bas. Y'a. Et les rebauches. Les soldats de l'amour. Une libération. Atmosphère de liberté. Atmosphère de liberté. Amen. 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 Ambroso kataya la ramos. Amen. Le feu, met mal à l'air les voleurs, les squatteurs. C'est une chose qui est insupportable pour le diable. C'est le sang de Jésus, le nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit. Ces trois t'accompagneront cette année au nom de Jésus. Nous sommes arrivés à la fin de cette célébration. Il y a avec moi. Oh. Et vous asseoir dans sa présence. C'est notre habitude et coutume en Pakistan chrétien de dire là, c'était la bienvenue aux gens qui viennent pour la première fois. Vous avez été conduits par le Saint-Esprit ou invités par quelqu'un. Nous vous demandons si vous êtes là pour la première fois, quelle que soit la salle dans laquelle vous êtes. Ne soyez pas frustrés. Cette année, c'est l'année où on achète. Dis Amen. Il nous faut beaucoup plus grand. Mais je sens que même quand on va déménager, on va faire encore deux cultes là-bas où on va déménager. Mais nous devons prendre la capitale. Voilà.